Bonjour les amis, c'est Jody Dreams, me voici avec un nouveau let's play de Aura Kingdom. Donc, eh bien, la fois passée, qu'est-ce qu'on avait fait? Je ne sais plus, vous savez bien, moi je fais mes let's play totalement à l'arrache, du moins pour ce jeu-ci, hein. Je ne prévois jamais rien, j'en ai envie, hop, je tourne. Donc, c'est assise dans les hautes herbes que je vous rejoins. J'ai un petit truc, en fait, j'avais tourné un let's play entre le précédent et celui-ci, mais malheureusement, j'ai eu un petit bug. Et malheureusement, donc, eh ben, ça n'a pas enregistré, enfin, c'est pas un bug, c'est un petit souci, j'ai mal configuré mon micro, en fait. Et donc, du coup, ben, ça n'a pas enregistré ma voix. Donc, voilà, c'est assez ennuyant, donc, ben, j'ai tout simplement décidé de recommencer ce que j'ai fait dans ce let's play-là, donc, c'est-à-dire, on va faire un petit donjon ensemble. Mais je voulais vous montrer un petit peu les nouveautés que j'ai eues. Donc comme vous voyez maintenant, bien j'ai une charmante petite auréole au-dessus de la tête. Hein, c'est tout à fait roleplay, les auréoles plus les petites ailes de démon. Je sais pas si je vais garder l'auréole, elle est très belle, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai eu l'auréole parce qu'en fait, Indara, donc c'est un jeu à la base. Donc Aura Kingdom est un jeu gratuit, vous l'installez, vous commencez à jouer, vous faites votre personnage, vous commencez à jouer, c'est super. Mais parfois, si vous désirez quelques petites choses en plus, eh bien, vous pouvez mettre un petit peu des sous sur votre compte sur votre compte Aura Kingdom. Et donc vous pouvez vous acheter des petits objets en plus. Et bien donc les petites ailes de chauve-souris que j'ai sont payantes à la base. Et je crois que je vais me faire attaquer. Voilà, ouais. J'allais me faire attaquer de toute façon, donc voilà. Et donc les petites, la petite auréole aussi, c'est un cadeau en fait, je pense, je me souviens quand on met des sauts sur le compte. Maintenant j'ai pas mis, m'a pas mis grand chose. Mais bon, c'est tout à fait, c'est de toute façon très très bien parce que grâce à ça, j'ai eu également ceci. Je vous présente Médor qui est notre cher petit monture adorable, hein, une magnifique dent. Hein. Regardez-moi ça, quel beau sourire. Oula. Ah bon, voilà. Donc qui est ma monture en fait, je dis Médor, mais voilà, je vais mettre un autre petit nom, un autre petit nom, il y a peut-être bien, mais tu me saoules toi, mais tu m'ennuies. Donc voilà, sinon quoi de neuf depuis la fois passée, ben, j'ai un nouveau costume, comme vous pouvez voir, qui est tout à fait assorti eh bien, à mes ailes de démon, et donc j'ai une nouvelle arme qui tape quand même assez bien. Hop, ici je dis pour montrer ton arme, voilà. Voilà comment elle est, donc tempête, grande H, tribal, plus 1. Voilà en gros. Et donc bien sûr j'ai mis une petite pierre qui peut être pas mal du tout. Voilà. Petite pierre en plus qui donne des petits bonus en plus, comme bah, des dégâts, des pourcentages de dégâts. Et de la guérison, mais maintenant c'est vrai que c'était pas ce qu'il y avait de mieux au niveau de la guérison pour moi, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux ouvrir? Ok, super. Ok. Super. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce que je suis moi aussi? J'en ai aucune idée d'où je suis. Ah si, voilà, je sais où je suis. Donc on va aller à d'autres tigres. Ah oui, c'est vrai que j'ai même pas mis mes... J'ai même pas mis mes petits bonus, là. Oups. Voilà. Allez, on y va. Oups, et vous voyez qu'on a une classe, mais magnifique, à dos de tigre. C'est super beau. J'adore. Encore une ambulance, purée. Oh, quelle horreur, d'habitant de deux hôpitaux, je vous raconte pas. Donc, on va aller, je vais aller tout simplement... Oh, tu es beau, toi. Oh, grrr. C'est bon, me battre avec au temple des Edelons pour essayer d'avoir un Edelon. Et après, on ira faire eh bien, le petit donjon que eh bien j'aimerais bien faire pour essayer de récupérer peut-être un Edelon en plus. Donc, voilà. Donc, le donjon qu'on va aller faire, j'ai bien galéré la première fois pour le faire. Je suis mort plusieurs fois, Indara qui est très douée dans tout ce qui est MMORPG l'a fait deux fois, mais genre les doigts dans le nez, quoi. Donc voilà. Donc les petits choux, je vous prends dans le temple des Edelons. Et voici le temple des Edelons. Oh. J'ai une clé ici, je sais pas si ça peut marcher. Je sais pas si je peux... Ça peut invoquer? Oui. On va invoquer un Edelon. Et on va le tabasser en fait. On va le tabasser. Peut-être qu'on pourra récupérer quelque chose. Un Edelon en plus en fait. Ça serait bien. Allez mon pote, tu vas mourir. Oups. Pff,
Foi de dragon, cristal des deux longs. C'est tout? What? C'est tout? Pieds, chaussures de paille, ok. C'est tout. D'accord. Ok. D'accord. Donc au niveau des deux longs que je veux monter aussi, j'y pense. J'aimerais bien monter Eevee parce que Eevee, je pense, est mon deux longs préféré. Parce qu'elle est toute mignonne en fait. Elle est toute mignonne déjà ça. Mais elle me soigne et donc c'est très bien. C'est très bien. Donc je vais lui donner des petits cristaux des deux longs. Quand est-ce qu'on peut la faire évoluer? On peut la faire évoluer? Donner. Hop, ok. Ok. Oui. Voilà, elle prend des niveaux. Elle est toute mignonne. Voilà, je l'adore. Elle est trop belle. Trop, beaucoup trop belle. Voilà, bon. Par contre, je sais plus déjà comment il marque évolution. Mais j'aimerais bien la faire. Ah, il faut une pierre comme ça. Ah, et 30 trucs comme ça. Ok. Ok, bon, on va économiser ça, hein. Je vais te comprendre. Je viens de comprendre enfin. Donc, Eevee. Eevee, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va prendre, ma belle, comme coffre? Prendre le premier coffre, hein, celui-là. Yes, pierre d'invocation non identifiée. Hop, on va l'identifier. Et là, on a... invocation hydre. Waouh. Donc, on va se battre contre... Eh bien, hop là, regardez-moi ça. J'invoque l'hydre, mes amis. Wow! C'est pas du petit et de long, ça, mes amis. Oh là là. Oh, toi, je te veux. Toi, je te veux. Wow, tu fais mal. Tiens, c'est pas de dragon. Un fragment de clé d'hydre. Yes! Yes! Donc, ce qui est très bien, mes petits choux, c'est qu'on a eu un fragment de clé d'hydre. C'est-à-dire que prochaine fois qu'on a encore ce tête de long, si on a plusieurs fragments, en gros. Donc clé de Gaïa, fragment de clé d'hydre, clé de Gaïa de l'hydre. Ok. Donc il faudra qu'on ait ça. Et ça. Et on pourra faire une fusion. Et on pourra avoir un nouvel et de long en fait avec nous. Et avoir le mob qu'on a vu. Ça serait juste trop génial. Trop génial. Donc bon. Mais bon, ça sera pas pour aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc oui aller à la forêt des deux chutes, voir si on peut faire le donjon dont je vous avais parlé. Je vous reprends bien dehors. On verra, ouais. Mais peut-être qu'on fera peut-être notre prochain essai, peut-être le donjon. Je vais voir. Je vais voir si j'ai le temps. En fait, je dis que je vais voir si j'ai le temps parce que je n'aime pas de vous faire des let's play trop longs, en fait, tout simplement. Parce que, ben, let's play trop long... Oui, moi, j'aime bien, let's play long ne me dérange pas. Mais j'ai peur, au bout de quelques temps, de ne plus avoir grand-chose à vous dire, de ne plus trop savoir quoi vous dire, donc, voilà. Truc aussi très cool, c'est que j'ai enfin compris, les trucs avec la pêche ont l'air d'être débuggés. Oh, ah bah oui, c'est Sona. Donc, on l'air d'être débuggé en fait. Donc, je sais de nouveau pêcher correctement. Enfin, je sais pêcher correctement. J'ai compris comment ça fonctionnait. C'est ultra simple. Ultra simple. Plus simple que ça. C'est pas ça pareil? C'est nul. Plus simple que ça. C'est pas possible. C'est même limite presque plus simple que dans un CNL, pour tout vous dire. Donc, voilà. Donc, on va aller... Là, ouais, ok. Là, c'est la forêt des deux chutes, donc on va aller là. Heureux les amis, donc aussi par rapport à Kim, un truc que je voulais dire, je ne suis pas contre le fait d'ajouter des abonnés en mes amis dans ce jeu, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais il faut savoir que si vous me spammez ma boîte de messages et tout, là on risque plus d'être copains. Donc voilà, je tiens à vous prévenir, je ne suis pas contre, mais il ne faut pas exagérer. Donc, où est-ce qu'il est ce donjon? Ah ouais, mais ça c'est encore un truc, une quête que je dois faire, ça. Je vais voir si je peux... Donc, je sens les adolescents à plein de nouveau, je vais essayer de les trouver, surtout parler, et lui commence à se concentrer sur les voix. Depuis que vous avez eu cette expérience, vous avez toujours hâte d'un peu d'autres adolescents de voyager avec eux. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit, truc super important. J'ai ma deuxième arme, les amis. J'ai ma deuxième arme. Je vais juste passer, je vais vous raconter un truc après, voilà. J'ai ma deuxième arme, en fait, j'ai pris le canon. Parce que je trouve que ça va très bien avec ma perso un peu bourrine. Et... ouais, non, mais tu vas pas me faire mal, quoi. Et voilà, j'avais envie de faire un truc qui aille sur la distance.
Par contre, je sais plus du tout où est le donjon en question que j'aimerais bien faire pour vous montrer. Ah, le voilà, il est là-bas au bout. Ouais, voilà, je l'ai retrouvé. Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Bon, je vais vous reprendre dans le donjon, les petits chauds. Et donc nous voici dans le donjon, mes amis. Je ne sais plus le nom du donjon. Je m'en voulais pas. Donc oui, je disais le canon. Donc oui, voilà, je voulais quelque chose qui tire de loin. Et puis aussi, au niveau de la trame de l'histoire, donc de l'histoire principale, ma perso a enfin accepté le fait d'avoir, eh bien, un Edelon à côté d'elle. Un prêtre, un PNJ lui a dit en fait tout simplement que elle avait été choisie. Par les Edonlans eux-mêmes et que donc bien n'était pas vraiment comme les autres, enfin voilà, qu'il y avait tout un truc avec ça. Donc ce que je vais peut-être faire aussi, je crois que j'ai un truc pour... Voilà, ça c'est bien, marque d'XP, ça c'est très bien. Hop, voilà, je prends des petits bonus, hein, les gars, hein, vous m'en voudrez pas. Hein. Des petits bonus pour... Ah non, tiens, ça c'est un cadeau, ça. Pour pouvoir... truc, ok, bien d'expérience, ça c'est bien, ça. Chapeau en bambou. Ah mais c'est mes trucs de pêche je pense. Oh, esquive. Ouais non, ça m'intéresse pas, je vais le démontrer. Je regarde un petit peu. Voilà, je mets quelques petits bonus en fait pour espérer dropper un petit peu plus, même bien que j'ai plus beaucoup de place dans mon sac. Bon, par contre je ne sais pas si... Ok, bon, par contre je vais prendre je vais garder Evie pour le moment avec moi. Mais à un moment, on va sûrement prendre, et eh bien tout simplement, Solenus en fait. On va tout simplement prendre Solenus, donc qui est mon autre Edelon, afin en fait qu'il garde l'aggro. Donc qu'est-ce que c'est que l'aggro? C'est le fait que le monstre en fait reste coincé sur quelque chose en fait. Enfin reste coincé sur un joueur ou un personnage. Donc ça c'est que mon Edelon va garder le fait, va garder le monstre sur lui. Et donc en fait le monstre ne s'attaquera pas à moi, mais à mon Edelon, en gros. J'essaie d'expliquer ça pour les novices, vraiment les novices en MMORPG. Donc, allez, toi aussi tu vas mourir parce que j'ai décidé. Voilà. Mais tu n'es pas encore mort toi. Ah non, voilà, il y a une vie là-dessus. Donc... En plus, ce qu'il y a, c'est que les monstres ici sont pas faciles à battre, je trouve. J'ai eu vraiment des difficultés à faire ce donjon. Ah oui, tiens, c'est vrai, il faudra que... Ah oui, tiens, je vais tester mon arme. Ok, non, ça marche pas. Faudrait que je regarde un truc dans les paramètres au niveau de mon arme secondaire. Raccourci. A1, ah voilà. A1. Alt 1. Bah oui, ok, c'est bien ce que j'ai pensé. Bon, ici on va prendre Solenus déjà. Oups, on va prendre Solenus. Il va bien m'aider lui. Oh merci mon grand, c'est super gentil. Donc regardez, c'est un Edelon aussi que j'ai eu grâce à Indra parce qu'il m'a mis un petit peu des sous sur le jeu. Là c'est classe. Hein. Tu me soignes en plus? C'est moi. D'accord, ok, merci. Bon. Wow! Donc lui, j'ai fait un clic droit, donc Solenus est en train d'attaquer ce personnage-là. Ah oui, mais c'est vrai, mais j'ai pas de grenon, de canon. C'est pour ça que ça veut pas tirer, en fait. Bon, on essaiera de trouver un canon, à mon avis, donc on va devoir tout faire au corps à corps. Allez. Hops, allez, mon pote. Oh, je fais pas gaffe, Je fais pas gaffe du tout. C'est pas bien. Et il fait mal. Tu fais mal, man. Donc, wow. Donc,
ici les monstres en fait sont ici un peu plus durs à battre que dans les précédents let's play. Hein, c'est quand même d'autres monstres que ceux habituels. Surtout qu'il balance des bombes, ce salaud. Aïe! Vas-y, Solenus! Attaque-le! Elle est mal! Pas du tout facile, hein. Et il faut se bouger avant que la bombe n'explose et qu'on se fasse très mal. Essayez aussi de reprendre, penser à prendre des potions. Donc en fait ce qu'il y a c'est qu'il faut switcher, il faut vraiment faire très attention. Voilà, hop, allez, vas-y, crame-le Solenus, crame-le. Voilà, allez. On se bouge. Hops là. Vous voyez déjà le trait rouge ici, en fait, ça, c'est le fait qu'il prépare une attaque en fait et qu'il la dirige contre moi en fait. Il faut se bouger. Et vous allez voir que le monstre après, mes amis, c'est pas évident du tout. Hop là, attention. Attention, attention, attention. Coffret d'armes, yes. Coffret d'armes, ok. Qu'est-ce qu'on a eu? Waouh, regardez-moi ça! Brutalement, ok. Foudre canon! Oh, regardez-moi ça, les amis. Ok, donne-moi ça. Donc voilà, j'ai mon canon, les gars. C'est... Ouais, j'ai mon canon dans une main et mon arme dans l'autre. Ça, c'est bon, ça, les potes. Ah, je suis grave contente, là. Je suis grave contente. Bon, par contre, je vais démonter ça. Ouais. Je vais démonter ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Pourquoi est-ce que je démonte ces objets? C'est parce qu'en fait, ça me donne des fragments, en fait. Les fragments me permettront d'améliorer, en fait, mon... Je regarde. Ça me donne de plus. Me donneront en fait des des points en plus à mettre sur mes armes en fait, tout simplement. D'ailleurs même ça je vais le péter. Parce que je préfère ce que j'ai. Voilà. Bon. XP s'arrête. Ok, je regarde un petit peu. Oh, super, regardez-moi ça. Donc ça, c'est des bonus pour quand on tue un boss, en fait. Je devrais les avoir sur moi. Ils sont tous dans mon coffre. Enfin bon. Hop, on y va. Donc, prochain truc, on va tester un petit peu là-dessus. Hop, on va tester. Et pourquoi ça tire pas? Ah, ok, il faut... Ok, il faut... Ok, c'est le temps de chargement. Ok, donc ce qu'on va faire, à mon avis, on va juste tirer un coup. Attention. Ouais. À mon avis, je vais toujours rester à mon avis avec ma hache, hein, les gars. Oh, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. Sur les boss, à mon avis, on donnera un petit coup d'arme, en fait. Un petit coup, comme ça, de canon. Pour déjà avancer le truc. Que ce soit gratuit et que je n'ai pas aucune pitié pour ces monstres. Oh, pauvre petite fée. Oh, pauvre. Oh, moi qui aime bien les fées. Ce sera, à mon avis, un let's play un peu plus long que ceux que je veux que 20 minutes. Et que je vais mettre un let's play de 20 minutes. Mais ici, il sera un petit peu plus long, à mon avis. Ce n'est pas grave. Dites-moi un peu le temps que vous aimez bien pour le let's play, par curiosité. Parce que maintenant, c'est vrai que 20 minutes, j'ai envie de rester à 20 minutes. Donc, ça ne changera peut-être pas forcément. Allez, vas-y, sors! Fleur anthropovore. Allez, anthropovore, pardon. Allez, hop là, tiens, bouffe ça. Ça, c'est gratuit. Donc, le monstre qui suit, là, dans la pièce là, je sais, ça sera un boss. Je vous le dis déjà, ça sera un boss. Et franchement, il n'est pas piqué parce que je me suis déjà battue 3 fois contre lui. La première fois que j'ai fait ce donjon, parce que je suis morte plusieurs fois. Vous allez voir, c'est une fée géante. C'est une fée géante. Et elle est vraiment pas facile à battre. Vous allez voir. Ah bah là, écoutez, regardez, là il y a une fée.
Voilà. Oh, ça tape bien ce truc là. Mais oh. Hop. Donne un petit coup à... Ah, c'est saleté de plante. Voilà. Donc, on va voir la fée ici. Et je vous garantis, ça va pas être facile du tout, du tout. Donc, je garde bien mes potions près de moi. J'ai bien mes potions près de moi ici, la prête. Ici, mes petites potions automatiques, on va les mettre à 90 pour être sûr. Hein, voilà. Faudra que je regarde un peu plus ça parce que... Voilà. Donc, on va s'avancer, les gars. Hein, souhaitez-nous bonne chance à Solenus et moi. Hein, on va y arriver. Ah bah, vous savez quoi? Comme je suis méchante, hein, je vais vous foutre le guac et je vais arrêter de l'esprit ici, en fait. Non, j'ai juste envie de pas vous faire un let's play trop lent et je trouve que c'est un bon moment. Donc voilà, je vous reprends dans un prochain let's play les amis. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à me suivre sur Facebook, sur Twitter pour être au courant des dernières news. Donc voilà, plein de bisous à vous, prenez soin de vous et à bientôt.